Je suis en train de me régaler. Oh oui! Oh oui! Oui monsieur, je me régale. Je me régale, je disais. Hey yo, salut tout le monde, c'est Rookie. Comme vous pouvez le voir, on est sur Call of Duty Black Ops 2 et ça me régale d'avance. C'est parti pour redécouvrir un des plus beaux opus de la famille Call of Duty. Et oui, vous l'entendez cette musique, elle est légendaire et on est dans le menu de Black Ops 2 et on va se trouver une petite partie en ligne. Alors, j'ai pas réussi à récupérer mon ancien compte, donc je pense pas que j'aurai toutes mes classes. Il y a 184 joueurs en ligne seulement. Alors après, on est sur PS3, hein, faut le savoir. Donc on n'est pas sur PC, Xbox. Mais bon, on va bien voir tout ça en tout cas. Sans plus attendre, je vous propose de vous plonger directement dans le gameplay multijoueur. Malheureusement, du coup, comme j'ai un compte niveau 1, je pourrais pas créer mes classes pour le moment. Mais ça n'enlèvera pas tout le charme de cet ancien Black Ops qui quand même compte maintenant au moins 200 joueurs. C'est une dinguerie. J'espère qu'on va pas avoir trop de mal à trouver une partie. Et sur ce, c'est parti. Allez, on est parti sur la map Yémen. Qu'est-ce que c'est que cette horreur que j'ai en arme secondaire? Mon premier kill sur Black Ops 2, let's go! Et si on rencontre pas de cheater, ce sera pas le dernier normalement. Ok, lui est déjà mort, c'est dommage. Les spawns vont tourner. Ok, un mort. Un deuxième plutôt. Oh, je suis en train de me régaler! Ok, les spawns vont retourner, je pense. Oh merde, l'enfoiré! Les armes ont aucun recul. Non, c'était... Bon, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était le sniper, mais... C'est pas grave. Qu'on me dise pas qu'il y avait du SBMM sur ces Call of Duty, hein. Waouh! Ça trouve en 2 secondes des parties. Non seulement, et en plus de ça... Ça fait je sais pas combien de temps que je peux jouer à Call of Duty, et j'ai pas l'impression d'être mis à mal. Waouh! Il suffit que je dise ça pour que je me fasse calmer. Désolé les amis, mais je suis en train de me régaler. Ok, il y a un mec juste à côté de moi là, par contre. Il m'a mis un C4 le chien. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop par contre. Ah, c'est vrai qu'on pouvait passer derrière là. Et ça c'est un snipe en fait.
Oui! Oh, j'en étais sûr. J'ai regardé sans y croire, mais il y avait bel et bien un campeur. Je suis en train de me régaler. Ouais, c'était un peu tricky de push ça, mais bon. Je sais pas si je l'ai eu. 30 kills pour ma première game de retour. Oh putain, je me suis régalé. Je me suis régalado. Let's go. Standoff, si ça aussi c'est pas une map emblématique de ce Call of Duty. Bon, l'MP7 ça me paraît bien aussi, hein. Elle me paraît très bien la MP7 là. Waouh! Oui, monsieur, je me régale! Je me régale, je disais! Ah, dommage! Je m'en doutais! On va revenir derrière, parce qu'à mon avis, ça va arriver de derrière. Wouah, mon aim! Oh, la SCAR! Oh, le... Le camo de la SCAR! Oh, mais elle est beaucoup trop forte, la SCAR! Oh, mais elle est trop forte! J'ai plus 3 balles, par contre. Ouais, ça suffit. Ça m'a suffi. Oui, oh là là, mais kill streak! C'est une dinguerie! Je pouvais pas encore les choisir, j'étais pas encore niveau 7. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Oh merde, mais attends, mais c'est bientôt la fin là! C'est dommage que j'ai pas pu m'en servir. J'avais pas vu qu'on était déjà à la fin de la game. Game que j'ai rejoint en cours de route et je me suis plutôt régalé. Ah, ça l'a fait, ok, d'accord. Ah bah autant mieux, je pensais que je n'avais pas réussi à le tuer. Même si j'avais pas été très bon sur ma visée quand même. Let's go! Messieurs, dames, nous voici sur Nuketown 2025. Si ça, c'est pas une dinguerie. On va jouer la MP7 là. Je me suis régalé la partie d'avant, il n'y a pas de raison, hein. Waouh, dommage! Je me suis régalé là! C'est la RCXD! Bon, dommage, j'aurais préféré autre chose, mais c'est pas grave, c'est déjà ça.
Merde! Je suis trop con, je me suis trompé de touche. Yes! Oh non! Un bazar, le machin. Lui, il a une machine de mort dans son colis, le chien. C'est la guerre totale, là. Qu'on peut pas se plaindre. Ah, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Oh, je l'ai même pas eu pour la killcam finale! Ah ouais, son viseur cheaté aussi à lui là? Oh oui, messieurs, dames, hijacked! J'ai tellement eu de mal à la choper cette map! J'ai dû faire une quinzaine de parties, je l'ai jamais vu, la seule fois où je l'ai vu était en concurrence avec Nuketown, donc forcément on a pris Nuketown, hein. Oh oui! Wow, la MP7, mon gars! Alors, est-ce qu'il y aura une clé mort là-haut? On va pas rester là parce qu'on n'a pas une arme de loin. Waouh! Je me régale, je me régale. Nanana, nanana. Dinguerie, dinguerie. Ok. Hop, on se retrouve sur la map cargo et j'ai envie de jouer au sniper. Waouh, oui, monsieur. Oh, ça tente des trick shots. Ça tente des trick shots. Des trick shots. Oui, monsieur. Oh oui. Ça, c'est une belle tête, hein. C'est une belle petite tête. Comme on les aime. Oh oui. Oh dommage! Ok les amis, on se retrouve sur un grand classique de ce jeu, la map Red, qui a été repris ensuite dans de nombreux autres Call of Duty. Alors, qu'est-ce que j'ai? La M27, ok. Ça c'est un fusil à pompe et ça c'est une mitraillette, je pense. On va commencer par la M27, tiens. C'est bizarre la killcam, non? Elle est pas un peu bizarre la killcam? Non, mais le mec il cheat en fait. Le mec il cheat.
Il a 52 kills, il est mort une fois. Ah, c'est bizarre, en plus il met des headshots très très bizarres, le gars. Alors, j'ai dit qu'on était sur PS3, mais je sais pas si on joue avec des mecs sur PC ou quoi. Bon, en tout cas, très suspect. Et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo sur Black Ops 2. J'ai essayé de revisiter les maps emblématiques comme Hijacked et Nuketown 2025 avec les armes qui m'étaient mises à disposition quand on commence au niveau 1, c'est-à-dire surtout la MP7 et le DSR50. Mais il y avait aussi la M27 avec laquelle je me suis bien régalé. Donc j'ai sorti récemment une vidéo sur Black Ops 1, il y en aura une autre aussi prochainement, et également sur des anciens Call of Duty comme Modern Warfare remasterisé, comme World at War 2, ce genre de Call of Duty, les Modern Warfare aussi 2 et 1 de 2019 et 2022, puis peut-être les anciens. Donc moi personnellement je kiffe ce genre de principe de revisiter les anciens Call of Duty. Si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde!